Les signaux envoyés par le regain de tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine compromettent le rebond de la croissance mondiale 2019. Une mise en garde de la chef économiste du Fonds monétaire international qui prévient que cette nouvelle escalade pourrait sérieusement détériorer le climat des affaires et la confiance des marchés financiers. Gita Gopinath a indiqué jeudi que ces tensions pourraient également perturber les chaînes de production. Cette guerre commerciale a déjà commencé à affecter négativement les consommateurs ainsi que de nombreux producteurs des deux pays, ont souligné des experts du FMI. Une situation inquiétante donc pour l'institution financière qui avait abaissé début avril sa prévision de croissance mondiale à 3,3% cette année, après 3,6% l'année dernière. Elle avait alors espéré un rebondissement de la croissance au cours de la deuxième moitié de 2019, après un fort ralentissement au premier semestre. Des projections que le FMI avait basées notamment sur une trêve dans la guerre commerciale entre les deux premières puissances mondiales, envisageant même un accord bilatéral qui semble aujourd'hui très loin.